qui a marqué ma carrière et surtout qui a marqué les esprits. Aujourd'hui, quand on me reparle de ma carrière cycliste, on me reparle systématiquement du 14 juillet 1995 et de l'étape de Mans. Je pense que ça a été une belle journée pour tous ceux qui ont suivi le Tour cette année-là. Il y a eu une dramaturgie dans cette étape avec un leader qui est en difficulté, avec des coéquipiers qui n'étaient pas en mesure de l'aider, et un coureur français qui caracolait en tête, et qui, c'était moi, et qui a réussi à faire rêver, je pense, tout le monde pendant plusieurs heures, avec un écart qui grandissait, et au final, bon, un peloton qui s'est rapproché, mais quand même, ça s'est conclu par une belle victoire au sommet de la montée de la Croix-Neuve, qui depuis a été rebaptisée, et qui porte mon nom aujourd'hui, et du coup, j'en garde un très très bon souvenir, évidemment. Moi, je l'ai vécu comme une grande victoire, quand on gagne sur le Tour, c'est toujours un événement important. Et quand c'est un 14 juillet, ça prend une autre dimension. J'ai porté le maillot vert et en plus, j'ai été ce jour-là pendant de nombreuses heures virtuel maillot jaune. La montée de la Croix-Neuve, enfin montée Laurent Jalabert aujourd'hui, montée Jalabert, elle est quand même très difficile et elle sera toujours un juge de paix quand on arrive en haut au sommet ou sur l'aérodrome juste derrière. C'est un juge de paix, le Tour y est déjà arrivé à deux reprises depuis ma victoire, une fois avec la victoire de Serrano, une autre fois avec Rodriguez. Chaque fois c'est des coureurs courageux, des grimpeurs qui arrivent à s'extirper dans cette ascension. Cette année encore, il en sera de même. Je pense qu'on ne peut pas avoir un vainqueur qui, comme ça, en trébuchant, remporte cette étape. Il faut forcément avoir une sacrée dose de classe pour gagner au sommet de cette ascension, parce qu'elle est tellement exigeante que... Voilà.